Je suis allé en licence à Paris Diderot où j'ai fait le parcours normal, licence, master. Et première formation en tant qu'économiste de la construction. Après, j'ai passé par une période de chômage de 2 ans. J'ai décidé de passer à DUT, en formation continue. Après le DUT, je suis allé en licence à Paris Diderot où j'ai fait le parcours normal, licence, master, que j'ai obtenu avec mention. Une société est venue me chercher en réseau parisienne pour m'employer au Luxembourg dans un premier temps en tant qu'analyste programmeur. Et puis après, j'ai pu évoluer en tant que business analyst. En tant que DRH, on me demande souvent s'il faut annoncer son trouble ou pas, dire qu'on est dyslexique ou non. Bon, c'est d'abord la liberté, le choix de la personne elle-même. S'ils en sont arrivés là, c'est qu'ils ont réussi aussi à passer tous les obstacles, les diplômes, l'expérience professionnelle, les stages, et puis avoir un entretien qui un jour leur donne un emploi. Le fait de dire que l'on a un handicap fait que l'entretien de recrutement sera différent. Je crois que c'est bien aussi la transparence, la vérité, de parler des aménagements du poste de travail quand on en a. Le dire, c'est avoir quand même un certain nombre d'aides à l'embauche, un certain nombre d'aides à l'intégration une fois qu'on est embauché, et aussi le maintien dans l'emploi.